retrouve aujourd'hui, mercredi, oui, pour un bilan lecture, première partie, parce que je l'ai réparti en deux. La suite sera donc dimanche, parce qu'il est un peu long. Voilà, j'ai 15 titres à vous montrer en tout. Aujourd'hui, donc, je vais vous en montrer 8. Voilà. Alors, comme un petit temps maintenant, vous devez avoir l'habitude, pour ceux qui suivent la chaîne, de mes lectures du mois, je fais un petit classement, du moins bon au meilleur, mais tout est subjectif. Donc, je ne vais pas déroger à la règle d'aujourd'hui, malgré que ce soit, malgré que, c'est vachement français, malgré les deux parties, aujourd'hui, je vais vous faire de la 16e à la 9e place. Oui, il y a 15 titres, mais en fait, il y a 16 livres, parce qu'il y a un tome... Il y a une saga de 2 tomes, donc je vais vous faire aujourd'hui de la 16e place à la 8e et dimanche, donc je continuerai, j'irai de la 7e, non, aujourd'hui c'est de la 16e place à la 9e et dimanche ce sera de la 8e à la première place. C'est parti pour aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite par un petit thriller, donc qui est 16e, mais quand je vous dis c'est subjectif, c'est-à-dire c'est un thriller, c'est L'échange de Rebecca Fleet, vous voyez pas le nom parce que... On voit pas le nom. Ah oui, parce que ça a été fait sur Click et une collecte. C'est un petit thriller, voilà, qui mange pas de pain, mais qui est très efficace. Donc là, on va être avec Caroline et Francis, un couple, qui décide de prendre l'air. Et vous savez d'où le titre et d'où la couverture, porte noire, porte blanche. Ils décident, vous savez, sur Internet, d'échanger leur maison pendant une semaine de vacances, pour leur cas. Donc, d'un appartement, ils vont aller dans une maison en banlieue donc londonienne. Et là, ils vont avoir quelques surprises. Ils vont s'apercevoir que la personne avec qui ils ont échangé l'appartement est un peu bizarre, connaît un peu trop bien Caroline. Voilà, donc c'est une histoire de faux-semblants, de secrets, de passé... voilà, avec une voisine un peu trop encombrante aussi. J'aime bien ce thème. Après, c'est comme je dis, un petit thriller sympathique, donc un petit thriller du week-end ou de plage. C'est pas mauvais, mais c'est simple. La révélation finale, pourquoi pas? En tout cas, si vous êtes adepte de thriller ou si vous, voulez commencer par pour découvrir les thrillers, allez-y, l'échange, c'est bien sympathique pour commencer. Voilà. Voilà la petite saga dont je vous parlais de 2 tomes. Donc, c'est celle-là. Oui, je suis bien là. Donc, premier, deuxième tome. Donc, premier tome, donc c'est la saga de l'Académie diplomatique d'Isulden. D'Isulden, je ne sais pas comment. Arthur Ténor. Voilà, donc premier tome, Les Ombres Assassines, et deuxième, Le Collectionneur de Monstres. Moi, je ne lis pas beaucoup de fantasy, donc là, c'est le bilan du mois de mai. Le mois de mai, pour ceux qui savent, était le mois de la fantasy, donc je m'y suis mis. Et bah, ça, c'est du jeunesse hein, aussi, donc vraiment, des trucs vraiment qui sortent de ma zone de confort. Et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Vous allez voir, en gros, dans bilan lecture, il n'y a pas énormément de déceptions. Vous avez vu, le dernier était, était sympa, on va dire. Et celui-là aussi. J'ai bien aimé. Oui, c'est du jeunesse. Oui, c'est cliché. Mais on s'attache au perso. Voilà, comme vous pouvez le voir, ces personnages-là. Donc, on a un elfe de la nuit, une sorcière, un semi-orc. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai mis sur mes notes. Je ne sais plus. Lui... enfin bref, lui est très attachant malgré son apparence, ce personnage en tout cas, c'est un semi-orc, j'adore, voilà, une magicienne et un chevalier, etc. Et là c'est une approche, voilà, il va y avoir de l'action bien entendu, mais voilà, on plante le décor, donc on est dans une académie. Et tout ce petit peuple-là vont devoir faire une quête. Parce qu'il y a un monstre, entre guillemets, qui rôde. Voilà.
Et voilà. Et moi, j'ai bien aimé. C'est tout simple, hein, mais voilà. Et puis, le deuxième, ici, il y a un peu plus d'action, il y a un peu plus de personnages. Et j'ai tout autant aimé. Et je ne sais pas si cette saga est terminée ou pas. Mais si elle n'est pas terminée, je pense qu'elle est terminée parce que bon, le deuxième tome, c'est pas vieux non plus. Hein. Est de 2019. Et le premier, c'est pas longtemps avant. 2018. Bon, à mon avis, je ne sais pas si on va en faire. Mais ouais, on s'attache au personnage. C'était sympa. Allez, un petit thriller ensuite. J'ai lu Ni chaud ni froid de Minette Walters. Elle est connue, hein, c'est mon premier d'elle. C'est ma mère qui l'avait lu. Elle m'a dit, tiens, je te le passe. C'est un petit policier. Donc là, c'est un homme qui va être accusé à tort ou pas d'un meurtre d'une vieille dame, richissime dame. Et voilà, alors, c'est très court. Il fait à peine 150 pages. Je vais pas extrapoler, voilà le début. C'est une enquête, c'est pas un thriller, c'est une enquête. Enfin, un petit thriller parce que bon, on se demande si vraiment le Patrick là qui est accusé est vraiment le coupable. Mais ça reste une petite enquête policière sympa. Enfin, quand je dis sympa, on est sur une enquête quand même policière, donc c'est pas drôle, mais je veux dire, on part pas dans tous les sens. C'est bien ficelé, c'est bien. Voilà, c'est efficace. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai aussi une petite note, moi je connais pas trop cette culture, donc je vais pas m'avancer dessus, mais l'autrice fait plein, enfin il y a un personnage anglais, un personnage irlandais, et dedans ils se font plein de punchlines, c'est le ping-pong, le jeu du chat et la souris, celui-là qui aura la meilleure réplique, et même dans le message final, ça rappelle aussi un peu cette guéguerre, cette bataille. Donc, mais je sais pas, je connais pas trop le rapport entre les Anglais et les Irlandais. Je pense que ça aurait été un petit plus, mais ça n'aide pas à l'histoire, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est un bon petit polar. Alors là, pour le coup, vraiment de plage, il n'est pas long et pas prise de tête. Allez, maintenant, on va passer sur un classique, une pièce de théâtre. Voilà. Donc, c'est Le médecin malgré lui de Molière. Et mais qu'est-ce que j'ai ri? Oh là, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, c'est une comédie, donc heureusement que j'ai ri, mais ça aurait pu ne pas me faire rire, trouver ça débile. Ah non, j'ai vraiment ri, dans le sens où j'ai bien aimé l'ambiance, voilà, les personnages, enfin, il n'y a pas de porte qui claque, etc. Et je m'en vais, et nanani, nanana, mais c'est genre, voilà, on est avec Molière, on est à l'époque... Il a sorti quand? Bonne question. 1996? Non. Alors, il y a des annotations. Ça, c'était pas les miennes. J'avais lu ça dans une boîte à livres. Et voilà, on est en 1600 et quelques, hein, de toute façon. Et ouais, j'ai bien aimé. 1666, j'ai marqué. Bon. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, on est avec la femme de Sganarel, qui lui fait une scène de jalousie au début, etc. Voilà, elle lui fait une scène de jalousie. Ça part sur les chapeaux de roue, hein. C'est pas long, hein. Ça fait 100 pages. Ça part vraiment, c'est tâche, et c'est vraiment... Il n'y a pas de temps mort, quoi. Et parallèlement à ça, donc ensuite, il y a une famille qui vient demander... je ne sais plus comment elle s'appelle, la femme de Sganarel. Elle vient de Martine. Ils disent ma fille est malade, le père de la famille dit ma fille est malade, vous ne connaissez pas un médecin. Et pour se venger, Martine, à l'insu de son mari, à l'insu de Sganarel, elle va dire je connais un médecin, c'est mon mari. C'est le meilleur de tous. Et donc après, la famille va voir Sganarel, elle dit plein d'espoir, soignez ma fille, elle est muette, elle a perdu la parole, soignez-la, soignez-la. Et Sganarel, sur le coup surpris, va se prendre au jeu. Et c'est des personnages, mais vraiment haut en couleur pour une comédie. Il faut que ce soit expansif, je ne sais pas ce qu'elle était, extraverti, extravagant. Sinon, voilà, c'est pas des personnages neutres. Et j'aime bien les petits messages qu'il y a dedans, les petites métaphores des personnages. J'aime beaucoup.
Voilà, donc si vous voulez lire Le médecin malgré lui de Molière, allez-y, c'est pas long, c'est drôle, c'est sarcastique, c'est ça que j'ai aimé, c'est pas que drôle au sens comique du terme, c'est pas que absurde, parce que les situations sont tellement grotesques et burlesques que ça en devient absurde, c'est aussi très sarcastique, ouais, c'est malicieux de la part de Molière, j'ai beaucoup aimé, et la fin, allez, c'est la cerise sur le gâteau, voilà. Allez, à la 7e place, un autre classique, mais dans le genre roman cette fois-ci, c'est La Curée d'Émile Zola. Je fais la collection des Rougon-Macquart. C'est le tome 2 des Rougon-Macquart. Et il y a un an, enfin tout pile, c'était au mois d'avril, j'ai lu le tome 1, La Fortune des Rougon, et j'avais littéralement adoré. Et d'ailleurs, je l'ai préféré à La Curée. Bien que La Curée n'est pas en haut de mon bilan lecture, et même aujourd'hui, elle aurait pu être dimanche dans les premiers, même pas, c'est pas que j'ai détesté. Or, pour faire simple, La Curée, allez-y, j'ai pas détesté, c'est vraiment un bon livre, et c'est vraiment un livre qu'il faut lire si vous aimez Zola, c'est très bien, on est sur le thème de la chair et de l'or. D'ailleurs, Zola l'avait sous-titré ou l'avait réinterprété en disant: c'est un roman, entre guillemets, donc de l'or et de la chair. Et c'est vraiment ça. On a le personnage de Saccard, il me semble, où il fait des spéculations. Alors vraiment, c'est pour ça que ça a été un peu en dessous pour moi, parce que ça ne m'intéresse pas trop. Et c'est vachement intéressant parce que ça résume bien. On est bien dans le décor. C'est ça que j'aime avec Zola. On n'a pas connu cette époque, on a raison de la connaître parce qu'il nous plante vraiment le décor avec... avec cela, pour le coup, de l'époque politique, argent, les spéculations, comme je vous disais, etc. Et puis, avec le personnage de sa femme, donc de Renée, là, c'est le thème de la chair. Renée, voilà, elle est un peu perdue au milieu de ses mondanités. Renée rêve, un peu Bovary, c'est un peu... voilà. Et d'ailleurs, c'est cité à l'intérieur, et ça m'a fait penser aussi à ça. Et c'est vrai, La Curée, c'est Phèdre de Racine, moderne, quoi, enfin... moderne, remasterisé par Émile Zola dans La Curée. Voilà, c'est le personnage de René, c'est Phèdre. Voilà, peut-être un peu moins théâtral pour le coup, mais voilà, elle partage, elle traverse les mêmes obstacles et les mêmes un petit peu déboires. Et j'ai adoré. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un bon livre. Après, ça m'a pas touché, ça c'est personnel. Ça m'a moins touché. Je l'ai quand même lu parce que... attention, enfin j'ai pas lu dans celui-ci, hein. Sur Instagram c'est un autre, mais j'ai gardé celui-ci, j'en avais deux, celui-là est plus beau, j'avais lu sur l'autre, et là il fait quand même pas loin de 400 pages, et s'écrit tout petit, c'est du Zola, hein. Encore une fois, c'est une belle écriture, une plume de ouf, il n'y a pas de souci. La Fortune des Rougon m'a beaucoup plus touchée que La Curée, mais La Curée, il y a eu des très beaux moments quand même. C'est un bon livre, voilà. Donc les thèmes ici de La Curée, c'est l'or et la chair. Et si vous aimez ça, vous ne serez absolument pas déçus. Allez, pour aujourd'hui, l'avant-dernier livre, voilà. Bah, c'est mieux de faire en deux parties, hein, comme ça c'est moins long pour moi et pour vous. Donc, de toute façon, si j'y pense, il y aura les time codes. En bas, dans mes bilans lecture, je mets les time codes. Comme ça, vous allez voir au livre qui vous plaît. Et puis, si vous voulez tout regarder, bah, vous regardez tout, hein, tout simplement. Donc, un petit fantasy aussi, encore. Donc, Les Chevaliers d'Omeraude. Et là, pour le coup, j'ai lu le tome 1, Le Feu dans le Ciel. Et j'adore cette édition. C'est Michel Lafonpoche. Moi, j'adore quand c'est fluffy comme ça. Hein, quand c'est tout mou. Et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, et j'ai vu pas loin de chez moi, il y a une espèce de troc, de magasin troc là où on vend les meubles, les livres, etc. Il y était avant que je le lise, il y avait le tome 2. Et je me suis dit, je vais pas le prendre si j'aime pas. Voilà, parce que moi, fantasy jeunesse, comme je vous ai dit là pour l'académie de d'Isulden, là, l'académie, c'est pas trop mon truc, donc je vais pas acheter. C'est pas comme si j'avais zéro livre, hein, chez moi. Vous pouvez voir derrière, et encore vous voyez pas tout, j'ai rien lu de là. Finalement, je crois que je vais aller le prendre parce que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aimé encore plus que dans les Isulden. Là, on s'attache mais vraiment au personnage, et j'aime vraiment le monde.
que Anne Robillard, je ne vais pas citer quand même, qui est canadienne, nous fait. J'adore ce monde, j'adore les personnages. On s'attache tout de suite aux personnages, on est tout de suite dans l'ambiance. On est tout de suite avec eux, j'étais avec eux. Voilà, moi j'adore ça dans les livres, que ce soit n'importe quel genre. On est avec les personnages, c'est comme si on était dans la pièce avec eux. Tellement, je sais pas, je sais pas écrire moi, hein, donc comment ça se fait que tel ou tel personnage on s'accroche ou pas, tel ou tel auteur arrive à nous faire aimer des personnages. On affectionne, là, on affectionne beaucoup les personnages. Et j'adore le monde dans lequel nous plonge Anne Robillard. Donc ici, voilà. Ce que j'aime bien dans les livres de fantasy, je suis obligée parce que il y a tout le temps des cartes, voilà, des trucs tout beaux. Voilà, là c'est le monde. Là c'est le château d'Emeraude de nos chers protagonistes. Puis c'est Waylan, ça va être notre personnage principal, et il va être en quête de... En fait, là, il nous plante le décor. C'est pour ça que la nuit, la suite s'annonce très très bien. J'ai très envie d'avoir le 2 parce que dans le 2, là, ça va vraiment... on va vraiment savoir, les choses ont vraiment avancé, on va savoir ce qui se passe. Et donc, on est au château d'Emeraude et vient... je confonds les noms, c'est horrible. Fan. F-A-N ou fan, je ne sais pas comment on dit. Une elfe, une fée, non c'est une elfe. Elle vient déposer sa petite fille Kira. Et d'ailleurs Kira en dit long, j'ai vraiment envie de découvrir ce personnage. Elle a 2 ans là, mais elle est très mystérieuse parce qu'elle a la peau mauve. C'est comme si aujourd'hui on voyait un humain dans la rue ou qui avait la peau, je sais pas moi, bleue. Enfin c'est carrément pas normal. Et... elle ressemble à une elfe, comme sa mère. Et voilà. Et j'en dis pas plus. Elle dit gardez mon enfant. Moi, je peux pas le garder dans mon pays, dans ma région. Gardez-le. Forcément, ça trame une histoire en dessous. On va savoir qu'est-ce qui se trame. Et puis, parallèlement à ça, il y a le méchant, l'empereur noir, qui rôde un peu sur le château d'Emeraude, sur tous ces personnages, et mais j'aime beaucoup. Je peux pas en dire beaucoup parce que voilà, c'est pas long non plus. Et puis voilà, ça serait vous spoiler. Voilà, c'est cette petite Kira qui est un peu mystérieuse, et Waylan, en gros, lui va tomber quand même sous le charme de Fan ou Fan, l'elfe qui a amené la petite Kira. Il va tout faire pour en connaître plus. Et dans ce premier tome, en fait, il y a des espèces de créatures qui menacent le château. Donc, par deux, les habitants des chevaliers, quoi, d'Emeraude, vont aller dans chaque région. On a 4 ou 5 des régions pour aller prévenir les gens de se barricader et de se préparer à l'offense des éventuels ennemis et créatures qui vont venir. Bon, comme ça on découvre un peu le monde. J'ai adoré, franchement je suis surprise, j'ai adoré. Voilà, dernier livre pour aujourd'hui. À la 9e place de ce classement du mois de mai, on retrouve Alexis Lepsker avec Et avec votre esprit. C'est un thriller, c'est son premier roman. J'ai voulu l'acheter, je l'ai acheté et je ne suis absolument pas déçue. Donc on est avec un prix Nobel de chimie qui se voit férocement massacré et dépouillé littéralement de son cerveau. J'y reviendrai après. Je dis comme ça, c'est dégueulasse, pourtant c'est vrai dans le roman. Et 4 jours plus tard, un célèbre, dans une autre ville de France, donc on était à Strasbourg, à Lyon, un célèbre physicien disparaît des radars. Et on va être avec le lieutenant Verne, qui est un pro du poker. Et il va enquêter sur tout ça. Ce que j'ai aimé, pour en venir au meurtre, qui se voit férocement massacré et dépouillé littéralement de son cerveau. Je me suis dit, oh là là, j'ai peur. Parce que moi, du gore pour du gore, du buzz pour du buzz, je déteste ça.
Le coup de maître d'Alexis Lebsker, c'est que, effectivement, c'est très gore, comme vous avez pu l'entendre, mais il n'en a pas fait des caisses. Ça reste intégré dans l'histoire. Oui, c'est gore. Oui, je lis un thriller. Donc, après, c'est à moi d'accepter ou pas. Mais pour l'histoire, pour la qualité du livre, les scènes comme ça sont vraiment englobées dans l'histoire et elles sont totalement crédibles. Du coup, ça passe. Ce que j'ai vraiment plus aimé, c'est ce que j'ai apprécié. Ce fut même presque un soulagement. Parce que j'en ai marre de ces thrillers où une scène, mais vraiment dégueulasse, mais vraiment, c'est pas obligé de la faire. Comme les scènes de, au même titre, les scènes de sexe. Pourquoi tu mets une scène de sexe ici? Voilà. Moi, ça marche pas avec moi, ces trucs-là. Et là, j'ai aimé. Voilà. C'était cohérent. Voilà. Après, ça, je lis du thriller. Il y a des risques pour des scènes gore. Mais quand ça, c'est cohérent, j'adore Le Dragon Rouge de Thomas Harris, qui pour moi, au thriller, il n'y est là. On ne voit pas tellement plus haut. Et voilà. Quand vous... Dragon Rouge, c'est le profil du thriller, du serial killer le plus malsain que je connaisse, quoi. Alors, en matière de littérature, c'est, et pourtant ça passe. Là, c'est la même chose. Ça passe et là, j'ai grandement apprécié ce qui fait que j'ai lu vraiment. J'étais sur la réserve et ensuite j'ai lu vraiment. Vraiment, je me suis laissée aller. Et aussi, vous savez, enfin, si vous ne savez pas, Alexis Lebsker, en réel, est un pro du poker. Et il s'en est servi pour son... Et encore une fois, il s'en est très bien servi. C'est vraiment pas un prétexte, voilà. Voilà, il n'y a rien dans la facilité. Il s'en est extrêmement bien servi. Donc, c'est le héros, le lieutenant Verne, comme je vous disais, qui va s'en servir pour... en déduire des choses sur les suspects, etc. Et pour essayer de découvrir quel est qu'est-ce qui se passe, quel est ce tueur qui découpe des cerveaux, voilà. Et franchement, c'est un bon roman. J'ai rien à dire. C'est vraiment... voilà, je l'ai mis à cette position-là parce que vraiment, après, vous verrez la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dimanche prochain, là, dans mon classement, c'est vraiment du lourd et vraiment ça me parle. C'est des lectures que voilà. Mais là, sans faire comparaison, voilà, basse comparaison quoi, c'est vraiment bien. C'est un bon roman. On s'ennuie pas. C'est vraiment un page-turner. Les chapitres ne sont pas longs. C'est bien écrit. Et franchement, ouais, il a pas fait du putassier. Pour dire les choses, et j'ai grandement apprécié, j'ai passé un très bon moment. Il fait pas loin de 400 pages, c'est complet. Et je vais me relire la suite de ce roman. Je sais qu'il a sorti Mangeur d'âme. J'attends qu'il sorte en poche parce que plus ça vient, plus j'ai du mal à lire les grands formats. Question de ne parlez pas de liseuse, hein. Pour l'instant, j'arrive pas à la liseuse, mais voilà, j'ai en poche, c'est très bien donc. Super comme thriller. Voilà pour cette première partie de mon bilan lecture mai. Thriller, fantasy, vous avez vu. Il y aura la suite dimanche, donc. Et voilà, pour aujourd'hui, dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je serais contente d'en débattre, d'en parler. On va se calmer. D'en parler avec vous. Et puis, vous pouvez me suivre, si ce n'est fait, sur Instagram et Libre Addict. Et ici même, vous abonner à la chaîne. Et puis, bah voilà. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Moi, je vous dis à dimanche pour la suite de ce bilan lecture. Et en attendant, je vous souhaite de belles et jolies et gore lectures. À dimanche.